Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Disney, la Reine des Neiges 2. Collection, les histoires d'Arendelle. La rivière des rêves. Un soir, la maman d'Elsa et Anna leur chante une berceuse. Celle-ci parle d'une rivière blanche qui détiendrait les réponses aux mystères du passé. Anna fait semblant de dormir. De son côté, Elsa commence à sombrer dans le sommeil, quand soudain, sa petite sœur la secoue pour la réveiller. « Allons trouver cette rivière !» lance-t-elle. « Fais moins de bruit !» marmonne Elsa. « C'est l'heure de dormir !»« Mais j'ai un milliard de questions, moi !» insiste Anna. « Et la rivière blanche a peut-être toutes les réponses !»« Tu ne te demandes jamais d'où vient ta magie ?» ajoute-t-elle. À ces mots, Elsa se redresse aussitôt. « On y va !» Les petites filles sortent discrètement du château, avant de s'engouffrer dans la forêt. « Comment est-ce qu'on peut trouver la rivière ?» demande Anna. « Nous devons nous servir de nos yeux !» lui répond sa sœur. « Regarde !» s'écrie Anna peu après. « Je crois que je la vois là-bas !» Et elles s'élancent ensemble vers les flots scintillants. Hélas, il s'agit seulement d'un ruisseau. « Et maintenant, que fait-on ? » interroge Anna. « Un ruisseau peut mener à une rivière, » remarque Elsa. Manque de chance, celui-ci se déverse dans un étang. « Peut-être qu'en ouvrant grand les oreilles, on réussira à percevoir la rivière blanche, » suggère Elsa. Anna entend justement quelque chose. « Ça alors, on dirait de l'eau qui coule !» Vite, les deux petites filles se mettent à courir aussi vite qu'elles le peuvent en direction du bruit. Malheureusement, tout ce qu'elle trouve, c'est un rocher à travers lequel le vent passe en sifflant. « Si seulement la rivière blanche avait une odeur !» rêve Anna. « Et ça sentirait quoi d'après toi ?» lui demande Elsa. « Les réponses !» suppose sa sœur. « Et ?»« Les reines !» termine-t-elle. « N'importe quoi !» réplique Elsa. Les deux sœurs se sont servies de leurs yeux, de leurs oreilles et de leur nez. Elles ont même rencontré une adorable salamandre. Mais elles n'ont toujours pas trouvé la rivière. Elles ne baissent pas les bras pour autant. « Je ne vois rien !» affirme Anna en scrutant les alentours à travers une stalactite. « Essaye de la tourner de l'autre côté !» lui conseille Elsa amusée. Les heures défilent et les jeunes exploratrices commencent à se sentir fatiguées. Au cours de leur recherche, Elsa aperçoit un bouclier ancien qui luit au clair de lune. « Je pensais qu'on avait réussi cette fois !» se désole Anna. Elle ferait sans doute mieux d'abandonner. Soudain, une rafale de vent emporte Anna dans les airs. D'en haut, la petite fille repère quelque chose. Puis le vent repose délicatement Anna, qui s'empresse de courir avec Elsa. Mais ce n'est qu'une montagne de glace, brillant sous les premières lueurs de l'ombre. « Le soleil va bientôt se lever, » observe Elsa. « Et on n'a toujours pas trouvé la rivière, » souligne Anna. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On dort, » lui répond sa sœur. Et comme par magie, elle se retrouve blottie au fond de leur lit. Le lendemain matin, les deux sœurs se réveillent. C'est alors que Elsa découvre une feuille portée par le vent. « Ce n'est peut-être pas un rêve, finalement. » Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas,
appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!